Ça t'arrive régulièrement ces derniers temps. Tu recherches ce qui a pu te rendre heureuse par le passé, ce qui te fait sourire actuellement. Mais sans t'en rendre compte, ton esprit dérive doucement sur une autre pente. Tu recherches ce qui a pu t'attirer chez ces quelques personnes qui ont calmement détruit ta vie. Ce n'était sûrement pas la sécurité. Plus tu y repenses, plus tu constates à quel point tu ne l'avais pas. Mais à l'époque, tu étais trop aveugle pour le remarquer. Brièvement, tu revois certains individus te dire que, même s'ils sont responsables des bleus infligés, tu es toi-même fautive d'avoir été en relation avec eux. Tu n'arrives pas à être d'accord. Pour toi, cela reviendrait à dire que tu es coupable et victime de ces stigmates. On te reproche d'être resté, de ne pas avoir cherché à fuir plus tôt. Enfin, tu constates que tu es parti loin, trop loin du sujet principal. Alors, tu réfléchis. Ta liberté, tu l'avais temporairement marchandée pour une illusion de confort et de sécurité. Comme si tu cherchais une sortie de secours à une ancienne vie trop compliquée à gérer. Car tu réalises également combien ton passé n'est pas glorieux. Et également à quel point tes relations avec les membres du sexe opposé étaient brouillées. À chercher de l'amour, de l'attention, même avec des inconnus. Tu le revois, ce type que tu avais fantasmé, qui représentait une sorte d'idéal. Quand tu te rends compte que vous êtes restés environ 4 ans ensemble, tu ne parviens pas à y croire. Tout cela semblait tellement plus court. Que s'est-il passé pour que tu oublies aussi rapidement toutes ces années, pour qu'elles n'en forment plus qu'une ou deux? Un coup d'œil jeté à la petite cave à vin te projette instantanément à cette période. Tu picolais, c'était aussi simple que ça. Et ça te permettait de tenir le coup. Peu importe ce que l'on pourra te reprocher, tu avais besoin d'une béquille. Et cette béquille, on a dû te l'enlever à coups de médicaments lorsque le diagnostic clinique est tombé. Tu te rappelles la première violence, du canapé rose, de la main sur ta gorge, l'autre dans tes cheveux, qui te maintenait tout en te secouant, avant de te jeter au fond du divan. Ton crâne qui percute l'arête, tu t'en souviens aussi. Le craquement de ton cou, puis la douleur. Physique, mais également mentale, car tu ne savais pas quoi faire. Partir? Où? Comment? Abandonner ton chat? En parler? Mais à qui? Tu te sentais déjà en rupture avec le monde entier. Aux flics, ils n'agissent jamais à temps. Alors, tu as laissé passer. Ça ne se produira qu'une seule fois. Ce n'est pas comme si tu avais reçu une gifle. Ce n'est pas une claque. Ça devient une phrase que tu te répéteras plusieurs fois par la suite. Peu à peu, tu t'enliseras. Sans t'en rendre compte, jusqu'à ne plus voir de solution autre que celle de te jeter du haut d'un pont. Mais finalement, tu auras une crise de lucidité. Le soir où tu comprendras à quel point il t'avait menti, à quel point il t'avait trahi, à quel point elle t'avait trahi. Mais avoir une première chute n'était sans doute pas suffisant. Lorsque tu as réussi à entamer ta thérapie, tu es tombée sur quelqu'un de différent. Tu te croyais plus forte, sauf que tu étais surtout plus fragile. Et il est arrivé. Les coups de fil, tu voyais ça bien. Comme quelqu'un qui cherchait à prendre soin de toi, à se renseigner souvent. Il semblait être si bien informé sur le traitement que tu prenais. C'était naturel de l'écouter. Il te disait que ce serait bien
que tu viennes le retrouver et tu rappliquais. Et il te parlait pour te faire comprendre que tes cachets, il les connaissait mieux que n'importe qui. Il était digne de confiance et pouvait te les donner. Ces belles paroles ont eu raison du reste de volonté que tu avais. Mais tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, car c'est toi qui l'a laissé entrer dans ta vie. C'est ta responsabilité. Il savait ce dont tu avais besoin, ce que tu recherchais, que ce soit dans ta vie de tous les jours ou dans ta vie intime. Tu nageais dans une brume opioïde, trop défoncée par le cocktail de médicaments que tu consommais sur une base régulière, encore plus épuisée par les doses qu'il te délivrait à sa demande. Dès qu'il était absent, il te faisait sentir que tu avais besoin de lui, qu'il te protégeait, et que tu étais ingrate, car tu n'arrivais pas à apprécier les cadeaux qu'il te faisait. Doucement, il t'a fait perdre contact avec le peu de personnes que tu connaissais. Il t'éloignait peu à peu, jusqu'au jour où les sévices ont commencé. Mais ce n'était pas possible qu'il t'agresse. Après tout, il était ton compagnon, celui qui est censé t'offrir un sentiment de protection, celui qui est censé t'accompagner sur le chemin chaotique de ta vie. La souffrance n'était pas normale, mais c'était uniquement de ta faute, car tu n'étais pas assez ouverte d'esprit. Tu ne voyais pas qu'il t'octroyait exactement ce dont tu avais besoin. Et le sang, tu ne pouvais t'en prendre qu'à toi-même. Après tout, tu as choisi d'être avec lui. Tu demandais forcément ce qui allait t'arriver. Jusqu'au soir où la souffrance a été telle que tu as hurlé pour qu'il s'en aille. Son refus, ses coups, les cordes. Mais jamais tu ne l'avoueras. Jamais tu n'admettras ce qui s'est passé ce soir-là, dans cette chambre puant le renfermer, où tes boîtes de médicaments ouvertes trônaient macabrement sur chaque meuble. D'un coup, tu as eu une crise de lucidité. Et si finalement ce n'était pas normal, tu es parti. Tu as rompu cette fausse relation. Tu l'as virée de ta vie. Et jamais, plus jamais, tu ne voudras prononcer ne serait-ce que son prénom. Jamais il ne franchira tes lèvres de nouveau. Jamais tu ne reprendras de traitement. Tu es rentré. Tu as passé du temps loin de tout le monde. Tu en avais besoin. Et puis, tu as fait comme d'habitude. Tu as tout mis de côté, comme si de rien n'était, comme si tu pouvais naturellement oublier tout ce qui s'était passé durant ces quelques années. Après tout, cela a commencé sur cette simple réflexion. Ce n'est pas une claque. Tu te redresses dans ton fauteuil, te demandant si à cette époque, tu n'aurais pas eu besoin d'un peu d'aide. Mais tu n'avais envie d'en parler à personne. Car tu pensais que l'on ne te croirait pas, qu'on amoindrirait ce que tu avais pu ressentir, qu'on détournerait la conversation. Cela dit, tu n'as pas été trop loin de la vérité. Car on ne t'a pas vraiment cru. On a amoindri ce qui t'était arrivé. On a détourné la conversation. Lorsque l'on t'a dit qu'on savait que telle ou telle personne n'était pas pour toi, qu'il était bizarre et étrange, tu t'es senti trahi. Pourquoi n'avait-on rien fait pour te venir en aide, te sortir de là? Mais tu as rapidement compris que cela ne servirait plus à rien de s'énerver désormais. Il n'y avait plus rien à faire, uniquement les regrets, les larmes, et une nouvelle vie à reconstruire à partir de rien. La seule chose que tu savais à cette époque,
c'est qu'on n'allait plus jamais te faire revivre le même enfer. Tu ne te rendais pas encore vraiment compte de ce qui t'était arrivé. Ce n'est qu'avec ton psychologue que tu trouveras les mots justes sur ces événements, que tu parviendras à prendre conscience de l'horreur de la situation, du « non, ce n'était pas normal ». Le degré d'usure de ta personne, tu n'en avais pas idée également. À la recherche de protection, tu avais fini par la dénicher. Ta carapace était plus solide et plus résistante que du titane désormais.